Bonjour YouTube, on va faire la tier list des boss de Isaac. J'aime faire des intros sur YouTube. Alors on est aussi sur Twitch évidemment, les gens peuvent réagir en direct. On a pas mal de boss à classer, donc on va relativement aller vite, relativement, ouais je sais pas. Ouais. On verra bien, on s'adapte à la situation. Donc étant grand joueur de Isaac, forcément il fallait que je fasse au moins une tier list sur Isaac. Donc voilà, on va faire les boss aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres durant le mois, je ne sais pas. Mode présentation, on va mettre le mode présentation effectivement avant que j'oublie. Hop, voilà, comme ça on est en mode dark. Merci pour l'idée. Et moi, comme ça je suis plus jeune, c'est parfait. Alors je connais pas les noms de tous les boss, mais on va essayer de s'en souvenir. Alors on va commencer par le caca Dingle. Je sais plus trop ce qu'il fait lui. Il semble pas que ce soit un boss trop compliqué. C'est moyen. En fait, on va dire que D c'est chiant. C c'est pas fou. B c'est moyen. A c'est plutôt cool. Enfin, attends, on va dire D c'est de la merde. C c'est moyen bof. B c'est cool, A c'est super cool, et S c'est le meilleur boss. Bon, on verra, on va s'adapter de toute façon. Duke of Fly. Alors moi j'aime beaucoup Duke of Fly. C'est un des premiers boss, il fait pop des mouches. Alors si t'as pas de DPS, il est relou. Clairement, si tu fais pas de dégâts, il est archi relou. Mais sinon, ça se passe plutôt bien en général. Gemini peut être chiant. Gemini peut être un peu chiant, du coup on va le mettre là. En fait le boss se sépare en deux, quand on tue un des deux, et quand il reste que le petit c'est relou. Les deux connards c'est en bas évidemment. Pire boss ça. Ça c'est des boss, t'as toujours un risque de te faire toucher. Parce qu'en fait quand tu leur tires dessus et qu'ils te chargent, et ben en fait ils décalent pareil que toi, tu te décales. Et finalement ils te rentrent dedans et tu perds de la vie, et du coup je les déteste. Voilà, je les déteste. C'est quoi, c'est les Larrikin, ça, je crois. Hein. Larrikin, c'est bien, j'aime bien, ils sont rigolos. Ils sont plutôt cool. Cool. Il est gentil, le caca. Ah, je l'ai même pas vu, ce clip, faudrait que je le regarde. Hein. Larrikin, ça va, Monstro, pareil, Monstro, grand classique de Isaac, hein, il est là depuis le début. Bah, je crois que les trois, là, ils sont là depuis les débuts, hein, les autres sont arrivés un peu plus tard. Le premier cavalier de la mort, je sais plus lequel que c'est, lui. Mais ça va. Bien, ça va. Steven, c'est une version alternative de Gemini. Mais en général, il donne des meilleurs items à la fin. Alors, soit tu gagnes un dégât, soit tu gagnes son petit pote là qui suit. Donc, c'est plutôt pas mal. Le cavalier sans tête, on va dire ça. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire cavalier sans tête, mais. Ouais, moyen. Fallen, c'est très bien. Parce que. Enfin, il est pas forcément évident. Mais tu sais que t'auras des bons items avec lui, donc c'est plutôt cool. Ce petit caca là, ça va, il est pas trop dur. Lui, il est rigolo. Il est rigolo, mais il peut être chiant. Ouais, on va le mettre là. Rajman. Pas fou. Pas fou. Mais. Il peut troller de temps en temps, lui. Bon bah la paire de caca, pareil, ça c'est poubelle. Ça c'est les enfers, hein. les trucs qui glissent comme ça, c'est les enfers. Et mes pires boss quoi, avec eux t'es presque sûr de te faire toucher quoi. Encore une version alternative de Gemini. Bon, on va le mettre là parce que j'aime pas trop. Ah, il y a encore un Duke of Fly. Étonnant, on a deux fois le Duke of Fly, donc c'est pas grave. Les petites fistules. En général, quand on les rencontre, on est assez bien stuffé, donc ça va. En général. Le fantôme, lui, ça. C'est pas fou. Pareil, lui, il peut être dangereux, il peut troller aussi. Moi, j'aime pas le troll, hein. Moi, j'aime bien les boss quand ils sont carrés. Carrés, hein. T'sais, en plus, ces versions alternatives, elles sont bien dégueulasses, hein. La rose, la version alternative rose qui tire des lasers, l'enfer. L'enfer. Pin, super boss, hein, ça. Pin, je valide 100%. Hein.
Oui, alors oui, les boss de Isaac, hein, évidemment. On a l'araignée. L'araignée, ça va, mais ça peut être chiant. On a le gros monsieur qui lâche des larves. C'est pareil, c'est moyen. Il peut troller un peu, mais... Oh non, si, il peut troller, du coup, c'est chiant. J'aime pas les boss qui trollent. Je sais plus comment il s'appelle, lui, mais ça va, il est plutôt cool. Lui, il peut être bien trollesque. Le gros caca noir, ça va. Le caca en sachet, moins bien. Putain, mais... Non, mais t'imagines, je suis une tier list en disant le caca noir, ça va, le caca en sachet, c'est moins bien, quoi. À quel moment, quoi? Je viens d'inventer une échelle de choupitude qui va des boss d'Isaac en bas à Virovski. Ah. Non, mais Virovski, elle est incroyable. Hein. Vraiment, tu... En fait, tu émanes... Putain, mais je veux... En fait, tu as de la chance, c'est un peu ton éloge, hein, ce soir. C'est Virovski, tu vois, tu... T'as des bonnes vibes, en fait, quand tu regardes son stream. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Je sais, sur cette échelle, il est clairement Virovski. le caca... le caca larve, pareil, ça peut troller, c'est chiant. Chubby, petit chubby, moyen, ouais. Lui, c'est pareil, moyen. En fait, il va y en avoir pas mal en moyen. Hein. Lui, par contre, c'est clairement un A. Hein. Il est facile à buter. Je l'aime bien, il est plutôt cool. Bon, ça, c'est un truc qui glisse, c'est chiant. Méga Fati... Méga Fati... ouais, c'est chiant quand on tombe dessus, quand même. Hein. Et ouais, chiant. Lui, pareil, c'est pas trop mon pote. Bon, ça va, j'ai pas encore besoin de dézoomer. Pour l'instant, ça va. La musique d'Animal Crossing, ouais, c'est des... Alors moi, j'ai pas de pays spécifique, mais là, j'ai mis Nintendo Lofi, je crois, donc... voilà. Lui, il est relou. Surtout ses versions alternatives. On va le mettre là. Pestilence, ça va. Ah merde, je vais devoir dézoomer. Premier dézoom. Shad, je l'aime bien, mais son item qu'il donne, c'est de la merde, donc on va le mettre là. Regardez, il est rigolo, il est mignon. Il ressemble un peu à Virovski. Non, c'est pas cool de dire ça. Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. En fait, il n'y a aucun boss qui ressemble à Virovski parce que Virovski, c'est la boss, en fait, tu vois. Ouais, quand t'es streamer, faut savoir réfléchir et rebondir, quoi. Tu vois, le boss qui me ressemble. Ah. 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 Terrible. Forsaken, en général, ça se passe plutôt bien, Forsaken, donc ouais. Lui, je l'aime moins, je sais plus comment il s'appelle. Lui... Chiant. Chiant. Lui... Alors lui, vu qu'il m'a buté une fois il y a pas longtemps, je l'aime plus. Alors ça, par contre, ça c'est vraiment caca. Lui, c'est gros caca. Lui, vraiment, je le déteste, celui-là. Il est vraiment relou de chez relou. Le Bumbo, là, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il est, il est galère. Le chub caca rouge... ouais, chiant aussi, chub caca rouge, ouais. Bon, bah lui, parfait, lui. Hein. Ah, ça c'est validé. Hein. En fait, c'est le même que les Larrykin, sauf qu'il va de travers. Donc ça va. Ça, je valide. Ça, c'est une version alternative à Duke of Fly, je crois, donc ça va. Lui, ça va. Il y en a, je me souviens plus des noms, donc... désolé, hein, mais je me souviens de si c'est galère ou pas. Hein. C'est un petit coucou rapide, des gros bisous à toi. Bah, toi aussi, hein. J'aimais tier list, je connais pas tous les boss d'Isaac, mais perso, je les mets tous en ultra chiant tellement je suis nul. Mais non, faut pas dire ça. Mais après, sache que si tu es nul en jeu vidéo, c'est peut-être parce que tu es trop forte en musique et en dessin, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Hein. T'as pas à t'en vouloir. Hein. Le talent que tu n'as pas dans le jeu vidéo, tu l'as forcément ailleurs. Et voilà, c'est validé. Bah, des bisous à toi, puis bah, bonne fin de soirée à toi, puis un plaisir de t'avoir vu et un plaisir de te revoir prochainement. Bisous à toi, hein, plein de bisous à toi. Sacré Virovski, hein. C'est grave, sinon ce serait overkill. Bah oui, bah voilà. Des bisous. Voilà, formidable, hein. On a eu la visite d'une superstar, là. Je suis encore tout ému, j'ai pas l'habitude. Hein. Mais voilà, c'est Twitch, c'est aussi ça, c'est aussi des rencontres formidables. De gens très très solides, quoi.
Et ça, quel plaisir. Quel plaisir. Hein. C'est un peu pour ça aussi qu'on stream. Hein. On stream pour se faire plaisir, on stream pour les viewers, mais on stream aussi pour les rencontres. Et les rencontres de gens formidables. Et ça, c'est une personne formidable. Tu vois, là, je continue de dire plein de qualités, comme ça, je sais qu'elle va rester jusqu'à la fin. Terrible. Ah non. Après, je sais que sur son Discord, à un moment donné, il y a plein de gens qui stream. Donc elle fait « Ah, oh, mais j'aurais pas le temps de voir tout le monde. Ah non, au secours, qu'est-ce que je vais faire ?» Oh, je vais devoir faire une cover. Je vais devoir streamer. Terrible. Terrible. La petite araignée. Ouais, on va la mettre là, comme l'autre. L'araignée contre le mur, chiant. Très chiant. Lui, il est chiant, mais je le trouve rigolo. Et le pire, c'est que c'est ça, et je vais passer sur plein de petits lives pour envoyer du love à tout le monde. Oh là là. On a besoin de plus de Virovski dans ce monde. Hein. Vraiment. Hein. Mais imaginez. Imaginez le nombre de personnes heureuses s'il y avait plein de Virovski dans ce monde. Hein. Bah ouais, hein, on va te cloner. Hein. Je pense que ça va finir comme ça. Hein. Ou sinon, il va falloir attendre d'avoir plein de mini Virovski. Quoi. Mais bon, ça... Voilà. Bon, bref. Bref. Merci d'être passé, en tout cas, plein de bisous à toi. À l'aide, c'est terrible. À l'aide, au secours. Bisous, bisous. Ceux-là, ils sont moyens. Alors lui, par contre, j'aime pas trop, mais est-ce que je les mets en enfer ou pas? Non, ça va encore. Lui, ça va. Pétoman, l'envoyeur de P et de boule d'épine, on va le mettre en chiant quand même. Voilà, ces émotes incroyables. Hein. Incroyable. Ça, enfin, je regarde aussi pour faire des émotes animées. Lui, bah, ça doit être le même que les petits, mais en plus grand, je suppose. Ouais, ça a l'air d'être le même skin. Adversary, il peut être dangereux, c'est chiant. Lui aussi, il peut être dangereux, c'est chiant. Moi, j'aime pas les boss dangereux, je préfère les boss sympas. Lui, pareil. Ah, Loki. Loki, je kiffe Loki. Je sais pas pourquoi, mais je le kiffe. En général, il est pas trop dangereux, en général. Ah, je crois que ma musique YouTube me dit « est-ce que t'es encore là, l'OMDR ?» C'est bon, je suis encore là, calme-toi. Monstro V2. On a le Monstro V2, bah du coup, en B. Parce que Monstro est mieux que Monstro V2, évidemment. Un petit cavalier, encore. Bien, moi j'aime bien les petits cavaliers. Guiche, sympa aussi, mais le problème, c'est que l'item qu'il nous fait gagner, c'est de la merde. Je vais encore devoir dézoomer d'un rang. Voilà. Brownie. Bien, Brownie. Les deux mongolos. Qu'est-ce qu'on fait de ces deux mongolos? Bah, bon, ils roulent, du coup, c'est chiant. Lui, l'enfer. L'enfer, lui. Alors là, par contre, Blot, l'enfer. Horrible. Horrible. Je crois que lui, c'est infamie, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Bon, en mettant bien, ça va. Ça va aussi. Lui, il peut être très chiant. Alors lui, j'ai jamais trop compris, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, je l'ai bouillave. Mais je pense qu'il doit être relou. Si t'as pas mon skin. Le Loki doublé. Ah oui, mais en fait, t'as celui en charrette, fusionné avec le Loki classique. C'est rigolo. On s'en rend compte là, en voyant les images. Hein. Incroyable. Alors après, j'ai deux pieds de môme. Bon, les pieds de môme, ça va, c'est pas... Ça va. De toute façon, là, je pense qu'on avance bien dans la tier liste. Oh putain, il en reste encore plein. Ok. Ça terminera jamais, quoi. Alors, attendez. On va descendre un peu. Hop. On a le cœur. Le cœur, ça va. Celui-là, ça va, il est rigolo. Lui, je sais plus. Je vais le mettre là. Lui, il est... Lui, je crois que je l'aime pas trop. On va le mettre là aussi. Celui-là, il me parle pas du tout. On va le mettre là aussi. De toute façon, il est moche. Oh, lui, par contre, lui, j'aime bien. Et que c'est Blatosis, je crois, si je suis pas de bêtises. Alors, je vais sûrement dire des conneries dans cette vidéo, hein, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien, il est rigolo, ce boss. Daddy Zonks, Ed, non. Les deux Loki séparés, ça va. La main, j'aime pas trop parce que ça peut troller. Le petit Fred,
Pareil, le problème c'est qu'il peut être un peu chiant à buter. Le Scrolex, pareil, chiant. Je vais devoir encore dézoomer. Celui-là, ça va. Encore un cavalier, mais celui-là, c'est un cavalier chiant. Du coup, on va le mettre là. Et on va encore dézoomer. Les trois pattes. Les trois pattes, ça va. C'est une version de Daddy's Long Head, là, de Daddy's. Mais c'est une référence à un des jeux de Macmillan, celui-là. On a le cavalier là, ouais, moyen, enfin, ça va encore, c'est pas le pire. En fait, tous les cavaliers, je les ai mis ici, en fait. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, ouais. Enfin, j'ai mis tous les cavaliers ici. Lui, il peut être chiant, il peut troller. Bon, Hit Lives, ça va. Hush, il est dur, hein. C'est surtout parce qu'il est long. Satan. Bon, ça va. Ouais. De toute façon, c'est un peu The Fallen avec d'autres phases, donc ça va. Isaac. Isaac, ouais, bien, mais sans plus. Lui, je l'aime pas trop. Il est dans The Lamb. Blue Baby, ouais, je le vois souvent, puis j'aime bien. Mega Satan, c'est pareil. Je trouve qu'il est, il est pas mal, hein. Delirium, c'est de la merde en barre. Je le mettrais presque tout en bas, mais bon, on va le laisser un peu. Lui, pareil, j'aime pas trop, mais il faut y passer. Le vrai boss de fin, ça va. Ah putain, non, on a... Ah oui, c'est les grosses versions du cavalier. Ah, c'est pas mal, ça, de les avoir mis aussi. Le premier, ça va. Le deuxième, ça va. Le troisième, il est plutôt bien. Par contre, le quatrième, j'aime pas. Krampus moyen. L'ange, je suis obligé de mettre un ange là, quand même. Hein. C'est un peu ma marque de fabrique. Le deuxième, on va le mettre là. Ensuite, on a... Ah, mais là, c'est les sept péchés, là, je crois. Ouais, il doit y avoir un délire comme ça. Lui, moyen... Glouton, j'aime bien. Bomberman, ouais, ça va. Trollman, ça va. Lui qui court vite, en général, ça se passe toujours bien. Le Keeper, ouais, ça va, c'est pas trop méchant. Lui, je l'aime bien aussi. Ah non, il peut troller. On va le mettre là. On a le Megatroll. Megatroll, non, moyen, ça va. Le gros glouton, ça va. Le méchant Bomberman, ça va. Lui, ça va aussi. En fait, il y en a plein où ça va, en fait. Ils sont pas trop méchants, hein, mais... C'est leur version évoluée. Là, pareil, le gros Keeper, ça va. Le gros vert comme ça aussi. Là, je vais encore devoir dézoomer. C'est le dernier dézoom, hein, profitez-en. Par contre, faudrait que j'élise mon boss préféré, quand même. On a... Une version de Gemini, pareil, c'est moyen. Oh, par contre, ceux-là, ils sont relous parce qu'ils sont longs. Ah bah tiens, on va terminer par un que j'aime pas. Bah, c'est tombé sur la grosse mouche rouge dès le début. C'est assez vénère. Hein. Dès le début, très très chiant. Hein. Bon, faut que je mette le meilleur boss. Je pense que je vais mettre Pin quand même. Pin, j'aime bien tomber sur ce boss parce qu'il est facile. Il est rigolo. Bon, on va mettre Pin, ouais, c'est bien. On va dire Pin, meilleur boss d'Isaac. Je pense que personne n'aurait mis là. Mais voilà, je le fais pour être un streamer unique, un joueur d'Isaac unique au monde. Ouais, puis après, je pense que le reste, ça va plutôt bien. Ouais, il y aurait peut-être des drafts à faire entre les deux, mais bon. Je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt ça, quoi. Ouais, franchement, ça va. De toute façon, ouais, tout en bas, je pense que c'est assez sûr. Bon, à part la mouche, j'aurais peut-être pu le mettre au-dessus, mais s'il y a des boss des enfers, on sait. Oh,
pas spécialement. Il y en a qui sont plus durs à battre, mais bon, ils sont en C, donc c'est quand même pas fou. En B, en général, quand on les rencontre, on est souvent bien. Enfin, oui, il y a toujours des potentielles erreurs, mais bon. Ah, en général, ça se passe souvent bien. Ils sont sympas, les boss. Ouais, pin le boss. Pin le boss des boss. Voilà, pin le boss des boss, voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis de YouTube. J'espère que cette tier list vous a plu. On se retrouve demain, encore une fois, pour une nouvelle tier list de l'avant. Hein. Des bisous YouTube, ciao.